C'est un plaisir d'être à nouveau avec vous dans Entre les lignes, mesdames et messieurs. Comme vous le savez, nous émettons depuis Kinshasa, République démocratique du Congo. Vous nous suivez d'où vous nous suivez. Nous parlons des questions d'actualité. Comme vous le savez, vous avez suivi récemment dans nos médias, dans tous les médias de la place, les avocats de Fortuna Bisselele Bifor ont demandé justement à ce que leur client puisse être envoyé dans des structures spécialisées de santé pour qu'il soit pris en charge parce que son état de santé allait de mal en pis. On va parler de ce cas, on parlera également de la question des droits de l'homme de façon générale en République démocratique du Congo. Vous le savez, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est prononcé récemment à Genève, en Suisse, qu'il n'y a pas de prisonniers d'opinion en RDC et cette information qui a été contredite par Justicia ASBL, une ONG également de droits de l'homme. Mais là, on ne va pas s'étendre également sûrement sur ça. On va parler des cas des droits de l'homme en RDC. Est-ce qu'il y a évolution? Est-ce qu'il y a avancement? Est-ce que les droits de l'homme sont respectés? Est-ce que les procédures judiciaires sont respectées? Voilà, on va rester sur différents cas pour voir l'évolution de la justice dans ce domaine. Comme vous le savez vous-même, le chef de l'État, le Félix Tshisekedi, lui-même s'est plaint du fonctionnement de notre justice. Il aimerait bien que sa justice puisse être... En tout cas, se porte de mieux en mieux. Je reçois un avocat, un juriste, un homme de droit, un professionnel de droit. Il travaille avec Maître Georges Kapiamba de la CAGE, Maître Bopol Mupemba, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ici sur ce plateau, avec qui nous allons aborder ces différentes thématiques. Maître Bopol, merci beaucoup de vous être déplacé jusque chez nous ici. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Ouais. Maître Bopol, récemment, on a vu les membres de la CNDH prêter serment, 9 au total, pour 5 ans. Pour vous, pensez-vous que cette équipe est une belle équipe pour statuer sur le droit de l'homme en RDC? Cette équipe est une belle équipe parce qu'elle a comme président de cette équipe M. Paul Sapou, qui est un chevronné des droits de l'homme. Donc c'est quelqu'un qui a une expérience très approfondie en matière de droits de l'homme. Et je sais que c'est depuis sa jeunesse qu'il a commencé à militer pour la défense et la promotion des droits de l'homme. Et en ce jour qu'il soit à la tête de la CNDH, je crois qu'il va mener à bien cette institution pour que, comme la CNDH est surveillante et elle est en même temps sentinelle de droits de l'homme en République démocratique du Congo, je crois qu'il pourra bien faire son travail et nous espérons tous en lui. Et vous l'accompagnez aussi? Nous l'accompagnons bien sûr. Alors, les droits de l'homme en RDC, est-ce que vous sentez qu'il y a quand même une évolution positive ou bien... Alors, pour dire qu'il y a une évolution positive en droits de l'homme en RDC, il faut analyser toutes les trois catégories de droits de l'homme, toutes les trois générations de droits de l'homme. Il y a la première génération qui est composée des droits civils et politiques, la deuxième génération qui est composée des droits économiques, sociaux et culturels, et la troisième génération qui est composée des droits collectifs ou les droits de la solidarité internationale. S'il faut qu'on parle sur les droits civils et politiques, je pense qu'il y a quand même une certaine évolution, étant donné que aujourd'hui nous n'avons pas des prisonniers d'opinion ou des prisonniers d'opinion. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui émet une opinion contraire par rapport au régime actuel. Aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a pas de prisonniers d'opinion. Il n'y a pas de prisonniers d'opinion. Il peut y avoir des prisonniers politiques, mais il n'y a pas de prisonniers d'opinion. Pourquoi? Parce que... Est-ce que Jean-Marc Kabound n'est-il pas un prisonnier d'opinion? Non, Jean-Marc Kabound n'est pas prisonnier d'opinion. Il n'est pas arrêté par rapport à son opinion. Il est arrêté par rapport à une infraction qui est réprimée par les droits pénals congolais. Et donc, Jean-Marc Kabound ne doit répondre que de son infraction. Parce que vous savez, la petite faute que les politiciens commettent souvent, c'est de se mettre devant, les médias et de commencer à dire n'importe quoi et même individualiser certaines choses. Tout en sachant que
ce que je dis peut être réprimé par le droit pénal congolais. Et dès qu'on est réprimé par le droit pénal congolais, directement, on devient pour des prisonniers d'opinion ou on se dit prisonnier d'opinion. Non, non, ce n'est pas à cause la justice, pas à cause la justice est instrumentalisée par les politiques, comme certains pensent. Oui, c'est faux. Je vous disais que nous sommes en train d'évoluer. Petit à petit, nous sommes en train d'évoluer. Mais c'est vrai que nous nous plaignons encore de cette instrumentalisation de la justice. C'est une effectivité. C'est encore une effectivité jusqu'à aujourd'hui. Et petit à petit, il faut que les choses s'améliorent. Alors, merci beaucoup, Maître Bopol. Vous avez donc confirmé les propos du chef de l'État tenu à Genève qu'il n'y a pas de prisonniers d'opinion dans notre pays. Oui, mais les prisonniers politiques, il y en a. Vous ne pouvez pas citer leur nom. Je ne cite pas leur nom. Voilà. Alors, récemment, il y a le conseil privé du chef de l'État qui avait été également arrêté. On l'a vu devant la justice et après, on l'a vu transféré à Makala. Que pouvez-vous dire par rapport à ce cas-là? Bon, par rapport à ce cas-là, il y a quand même beaucoup d'irrégularités que nous devons soulever ici. La première irrégularité, c'est que M. Bifor Biselele a été invité par téléphone à l'ANR pour une séance de travail. Par le DG de l'ANR. Il a été invité au téléphone. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un mandat qui a été émis contre lui, l'invitant pour des questions infractionnelles. Il a été invité par téléphone et par courtoisie, il est parti pour répondre à cette invitation. Dès qu'il arrive, les choses se retournent contre lui et il se rend compte qu'on est en train de l'entendre sur des faits qu'on lui reproche. Certains faits qu'on lui reproche, on ne peut pas les révéler ici parce que l'instruction est encore secrète. On lui reproche de certains faits et du coup, la séance du travail se change en audition et un OPJ l'entend sur PV et on le détient. On ne l'a pas laissé rentrer chez lui, on le détient pendant 6 jours. Déjà, c'est irrégulier parce que les OPJ de l'ANR sont des OPJ comme tous les autres OPJ qui ont droit de retenir quelqu'un que pendant 48 heures. Après 6 jours, M. Bifor a été transféré à la prison de Makala. Il a été transféré au parquet. Et du parquet, il a été transféré à la prison de Makala. Donc, depuis qu'il a été transféré à la prison, au parquet, il n'a été entendu qu'une seule fois. Il n'a été entendu qu'une seule fois et dernièrement, il a introduit une demande d'abord de mise en liberté provisoire. Parce que pourquoi? Parce qu'il a une résidence connue ici, sa fuite n'est pas à craindre. Et puisqu'on ne peut pas fixer les dossiers maintenant, on peut aussi déduire qu'il n'y a pas indice sérieux de culpabilité. Parce que si on transfère un dossier devant le parquet, c'est-à-dire que l'ANR a déjà mené des investigations conséquentes et transfère les dossiers avec tous les éléments de preuve afin que les parquets puissent faire fixer les dossiers devant les juges compétents et qu'il soit entendu devant un tribunal compétent. Mais jusqu'à ce jour, il est à la prison, et on ne dit pas par malheur. Vous avez parlé des irrégularités. Voilà. La première irrégularité, c'est qu'il n'y a pas eu un mandat. Il a été convoqué par téléphone pour une séance de travail. Donc, on a utilisé un peu la malignité là-bas, donc pour une séance de travail. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est connu, un haut cadre de l'Union sacrée. C'est un conseiller privé du chef de l'État. Il fallait ne fût-ce que lui faire une invitation, il allait se présenter. Et on a utilisé cette façon. Ça, c'est la première irrégularité. Il n'y a pas eu mandat d'arrêt. Il n'y a pas eu mandat de comparution ou un mandat quelconque. Aller répondre à l'ANR. Okay. C'est par téléphone. Dès qu'il arrive, il est entendu. On lui a refusé l'accès à ses avocats. Donc, il ne pouvait pas parce qu'il est reconnu par notre Constitution que quelqu'un qui se fait entendre par un OPJ a droit à un avocat. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, une personne
qui est déjà arrêté a droit d'accès à ses avocats et à sa famille pour leur dire, voilà, je suis détenu ici. Si on trouve que cette personne est peut-être malade, sa femme, ses enfants peuvent commencer à lui apporter une nourriture appropriée ou des médicaments appropriés, il faut le signaler. Ce n'est pas ça ce qui a été fait. Ça, c'est la première irrégularité, mais qui contient en elle aussi beaucoup d'autres irrégularités. La deuxième irrégularité, c'est que... Bon, attends, il n'a pas eu accès à ses avocats à l'ANR. À l'ANR, oui. Jusqu'à ce qu'on l'a transféré au parquet. Au parquet, voilà. Donc l'OPJ l'a entendu... Seul. Et dans un contexte presque contraignant où on lui obligeait de répondre aux questions selon les informations en notre possession. Maintenant, il est transféré... Une fois au parquet... Il a été entendu, mais d'abord, la première régularité, c'est que quand il est arrivé, quand on l'a détenu à l'ANR, on l'a détenu pendant 6 jours. C'est déjà une irrégularité. Parce que l'ANR agit, les membres de l'ANR agissent, s'ils doivent entendre ou procéder à une arrestation, ils agissent comme des OPJ et ils n'ont pas le droit de garder quelqu'un au-delà de 48 heures. Ils ne peuvent pas détenir quelqu'un au-delà de 48 heures. S'ils détiennent quelqu'un au-delà de 48 heures, c'est une violation. C'est une violation, ça devient une arrestation arbitraire. Voilà. OK. Maintenant... Et donc là, la personne peut aussi saisir la justice. Peut saisir la justice pour se plaindre contre cette attitude de l'ANR. Ouais. Voilà, cette arrestation. D'accord. Maintenant, il est au parquet. Il s'est fait entendre par un magistrat. Et le magistrat décide de l'envoyer à la prison de Makala, d'émettre un mandat d'arrêt provisoire. Il est arrêté provisoirement. Mais pendant qu'il est arrêté, il découvre qu'il est malade. Parce que vous savez, quelqu'un peut être en bonne santé et que quand on le met dans certaines conditions, il y a certaines maladies qui peuvent se déclarer. Et cette maladie s'est déclarée et il a introduit une lettre pour demander à ce que ce n'est pas une maladie qu'il a créée, parce que dès qu'il a senti ses douleurs dans le dos, il a demandé à ce qu'un médecin vienne le consulter, un médecin de la prison de Makala. Et le médecin l'a consulté, le médecin a émis son avis médical. Dans cet avis médical, le médecin demande à ce qu'il soit transféré dans un hôpital bien approprié, qui a des matériels qui peuvent bien d'abord l'examiner, découvrir de quoi il souffre, parce que la douleur est en train de devenir de plus en plus atroce. Vous voyez, nous sommes en République démocratique du Congo. La RDC a ratifié des conventions internationales qui donne certains droits à des personnes détenues. Notamment quand ces personnes sont malades, elles peuvent se faire soigner par des médecins appropriés. Donc, cette lettre a été introduite. On ne dit pas qu'elle est encore lettre morte jusque-là parce qu'elle est encore d'actualité. Nous recommandons tout simplement aux autorités compétentes de le laisser, ne fût-ce que d'aller d'abord se faire soigner, parce qu'on ne va pas quand même juger quelqu'un. Ça fait combien de temps qu'il... je veux dire... Ça fait à peu près 2 semaines ou 3 semaines que cette lettre a été introduite. Elle a été introduite auprès du directeur de la prison. Non, la lettre est adressée au ministre de la Justice, mais avec copie pour information à toutes les autorités judiciaires selon leur hiérarchie. Donc voilà. Donc, demande de mise en liberté provisoire. Et après, il a introduit... Jusque-là, on ne sait pas encore de quoi on le reproche. On ne sait pas de quoi on le reproche parce que, comme je vous dis, l'instruction est secrète. C'est quand le dossier sera fixé au tribunal que nous accéderons au dossier et nous saurons de quoi on lui reproche. Maintenant, Est-ce que ce n'est pas un alibi pour quitter la prison? Parce que, non, mon frère, ce n'est pas... C'est une habitude qui est développée un peu par plusieurs politiques. Quand ils sont à la prison de Makala, oui, ce qu'ils développent comme attitude, c'est qu'ils sont malades, ils doivent sortir, aller se faire soigner. Heureusement, ce n'est pas une nouvelle chanson. Heureusement que la prison de Makala a un hôpital et a des médecins. Donc, c'est-à-dire... Nous, notre soubassement, c'est sur base du rapport médical que nous avons en main. Nous ne sommes pas médecins. Le médecin dit
qu'il est effectivement malade, envoyez-le dans un hôpital approprié qui peut le bien le prendre en charge. Voulez-vous juger un homme mort ou voulez-vous juger un vivant? Maître Bopol, que dit le rapport médical? Le rapport médical dit que le cas pour lequel il est diagnostiqué, les médecins de la prison de Makala n'ont pas les moyens appropriés, c'est-à-dire les matériels appropriés pour la prise en charge de ce genre de cas. Donc, ils ont recommandé qu'on puisse l'envoyer dans un hôpital spécialisé qui peut bien le prendre en charge. Mais est-ce que le médecin n'a pas donné la maladie dont souffre de M. Bisselele? Non, lui, M. Bisselele, il a donné. Le médecin ne peut pas donner ce qu'il souffre parce que justement, le médecin n'a pas les matériels. Non, pour dire, il a une douleur au dos, une douleur atroce au dos qui commence à s'exacerber jusqu'à son bras. Donc, moi, je dis qu'on risque d'avoir quelqu'un qui risque de faire un AVC. C'est quand même très grave. Donc, comme je disais, on a besoin de juger un être vivant au lieu qu'un juger un mort. Le médecin demande quoi exactement? Le médecin demande qu'il soit transféré dans un hôpital approprié qui a des matériaux. À l'étranger ou au Congo? Non, même au Congo. Okay. On n'a pas dit à l'étranger, même au Congo. Il peut aller dans un centre hospitalier qui a des matériels appropriés pour se faire soigner. La ministre de la Justice qui est saisie jusque-là n'a pas encore... elle a accusé réception. Elle a accusé réception, mais elle n'a pas encore répondu. Pas de suite jusque-là. Et ça vous inquiète? Ça nous inquiète. Justement, c'est l'état de santé qui nous inquiète. C'est l'état de santé qui nous inquiète parce que nous ne voulons pas attendre que ça devienne grave pour qu'on commence à faire des choses dans la précipitation. Donc, ce qui est mieux, c'est de lui accorder cette liberté provisoire afin qu'il se fasse soigner. Étant donné qu'il a une résidence connue en RDC, c'est un Congolais, c'est un ancien conseiller privé du chef de l'État, et donc c'est mieux de le faire soigner. Alors, vous avez tantôt dit que la RDC est signataire des conventions internationales sur les droits de l'homme. Oui. Et donc, la RDC a l'obligation a l'obligation de le transférer dans un centre hospitalier approprié. C'est une obligation. Ce sont des conventions que nous avons dûment ratifiées et déposées les instruments de ratification. Ah, d'accord. Alors, Maître Bopol, la question de M. Fortuna Bisselele, c'est une question qui... fait couler encre et salive. Son arrestation, jusque-là, on ne sait pas, vous l'avez dit, l'instruction est secrète, on ne sait pas savoir de quoi on le reproche exactement. Mais est-ce que lui-même, il ne se reproche de rien? Il se reproche de rien. Il se reproche de rien, étant donné qu'il n'y a que lui aussi qui sait de quoi on lui reproche, parce qu'on lui a dit. Il se reproche de rien, il est zen, il est calme dans son état. Il se dit, même si on lui reprochait de quoi que ce soit, mais ce n'est pas quand même des faits graves, parce que c'est un humain qui peut commettre des fautes, peut-être dans la gestion de son travail à côté du chef de l'État, mais il se reproche de rien de très grave. Il est zen, il est calme dans son état, et il estime que les autorités judiciaires pourront aussi bien faire les choses pour qu'il soit vite libéré, parce que c'est ça l'espérance qu'il a. Ah, la présidence est restée muette jusque-là par rapport à son arrestation? Oui, la présidence est restée muette. Nous n'avons pas entendu une déclaration quelconque. Pas de suite jusque-là? Pas de suite, oui. Alors, maître, il n'est pas le seul. Justement, la présidence est restée muette parce qu'il faut dire que le chef de l'État prône l'état de droit. Vous comprenez? C'est-à-dire que si aujourd'hui, le président de la République accepte qu'un conseiller privé soit entendu par la justice, c'est parce qu'il sait que la justice devra bien faire son travail dans le respect strict des règles et des lois. Donc, c'est ce que nous demandons, que le travail soit bien fait dans le respect strict des règles et des lois en faveur de M. Est-ce que ce n'est pas une atteinte aux droits de l'homme?
Je vous ai dit, j'ai soulevé certaines irrégularités ici. Je vous ai dit, par exemple, la détention de 6 jours à l'ANR, c'est déjà une atteinte des droits de l'homme. C'est déjà une atteinte. C'est une violation des droits de l'homme. Mais vous avez dit tantôt que la RDC est sur la bonne voie. Ce n'est pas contradictoire. Voilà. Je disais que la RDC est sur la bonne voie parce qu'il n'y a pas de détenus d'opinion. Vous comprenez? Mais il n'y a pas de commence, mais il y a violation des droits de l'homme. Il y a violation des droits de l'homme quelque part. Je n'avais pas fini mes propos. J'ai dit que tout elle est sur la bonne voie. Ce n'est pas pour dire que là, tout est bon. Il y a des choses qui doivent s'améliorer. Justement, la gestion de la justice, l'accès à la justice, le respect des règles et des lois par les magistrats et les agents de sécurité. Tout ça, c'est des choses qui doivent être améliorées. Le comportement des agents de sécurité, ça doit faire l'objet d'améliorations. Mais sur certains points, on peut dire qu'il n'y a pas, répression, par exemple, des manifestations publiques, il n'y a pas des arrestations des politiciens qui émettent les opinions contraires. Moi, je dis souvent que c'est une leçon qu'on a donnée aux politiciens pour qu'ils comprennent que ça ne vaut pas la peine de toujours croire que celui qui dit une chose contraire contre vous, c'est une personne. Est-ce que dans le cas de Fortuna Bisselé, la justice serait instrumentalisée? Nous ne disons pas que la justice serait instrumentalisée, mais nous commençons plutôt à douter un tout petit peu. Pourquoi? Parce qu'il y a certains signes qui nous inquiètent et nous faisons l'effort pour que ça ne soit pas ainsi. Et quel signe, par exemple? Par exemple, il a demandé la liberté provisoire. La Constitution dit, dans son article 17, que la liberté est garantie, la détention est une exception. C'est-à-dire que si une personne réunit certains éléments qui peuvent bien lui permettre d'obtenir cette liberté, je ne vois pas pourquoi on lui refuserait cette liberté. Et surtout qu'il y a un élément nouveau qui s'est ajouté, c'est que la personne est malade. Donc pourquoi on garderait cette personne en prison au lieu de lui permettre d'aller se faire soigner? Alors, Maître Bopol, on est en train de rapidement de chuter. Ouais. Alors, les droits de l'homme en RDC, l'évolution positive, comme vous l'avez dit, est-ce que c'est lié au mandat du président de la République ou bien il y a d'autres phénomènes beaucoup plus importants? Non, non, il faut le dire la vérité, c'est lié au mandat du président de la République. C'est lié au mandat du président de la République, sans toutefois faire des comparaisons. Mais vous connaissez comment nous avons vécu dans ce pays et que vous connaissez, vous voyez comment nous sommes en train de vivre. Donc, s'il faut faire un bilan du chef de l'État sur les questions des droits de l'homme, je me dis que c'est un bilan positif qui tend vers un 7 sur 10. 7 sur 10. 7 sur 10, parce qu'il y a encore des choses à améliorer. Pour ne pas lui donner 10 sur 10. Quels sont les faits qui démontrent vraiment que nous sommes en train de vivre vraiment l'effectivité? L'effectivité, voilà. 7 sur 10, c'est déjà une distinction. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure que Il n'y a pas de prisonniers d'opinion. Pas de manifestations. Pas de répression des manifestations. Et la liberté de presse est en train de devenir effective. Maintenant, si on prend la deuxième catégorie des droits de l'homme, comme je vous l'ai dit, c'est la catégorie des droits sociaux et les droits économiques, sociaux et culturels. Cette catégorie, c'est une catégorie où on l'appelle les droits créances. Ce sont les droits qui nécessitent l'intervention de l'État pour la bonne jouissance de ces droits. Or, si nous regardons dans cette catégorie de droits, nous voyons l'effort qu'est en train de mener le chef de l'État pour la bonne jouissance de ses droits. Nous avons par exemple les infrastructures qui sont en train d'être construites. Nous avons l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Nous avons la gratuité des maternités qui tend vers la gratuité de la santé petit à petit. Et nous avons plus ou moins des points positifs qui nous permettent
de dire quand même que non, ça va. Ça va, les chefs de l'État. Dernièrement, on a remis aux étudiants le bus Transacadémia, ce qui n'a pas été le cas avant. Donc, vous voyez qu'à chaque droit, les choses sont en train de s'améliorer. Si nous prenons la troisième catégorie des droits, ce sont les droits collectifs. Parmi ces droits collectifs, nous avons les droits environnementaux, nous avons les droits de bioéthique, nous avons le droit à la paix, et nous voyons quels sont les efforts que le chef de l'État est en train de faire pour que nous puissions plus ou moins avoir la paix dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État est arrivé à mettre à nu le président Paul Kagame, qui est l'instigateur de cette guerre à l'est du pays. Alors, ça, ce sont des points positifs que vous avez soulevés, mais il y a aussi des cas de violation des droits des femmes, notamment dans la partie Est, la violation, notamment grâce à l'activisme du M23. Oui. Ça, ce sont des éléments. Ce sont les efforts que le chef de l'État est en train de faire pour que nous puissions carrément élaguer ce genre de choses. Parce que si on arrive à mettre fin à la guerre à l'est du pays, croyez-moi, on n'aura plus à parler des viols sur les femmes. On n'aura plus à parler des viols sur les femmes. Alors, nous sommes dans une année pratiquement électorale. C'est une année où tout le monde se précipite pour aller pour voter. Est-ce que les conditions sont-elles réunies? Bon, les conditions sont-elles réunies, oui, non? Étant donné que nous sommes déjà, moi j'ai déjà obtenu ma carte d'électeur, j'ai dit que les conditions sont réunies. Donc, les conditions, nous avons vu que le président de la CENI avait publié un calendrier, et ce calendrier est en train d'être respecté. Quelles sont les conditions? Les conditions, c'est que c'est seulement faire des recommandations au gouvernement de disposer des moyens pour que les élections soient effectives. Alors, Maître Mopole Mupemba, on est en train rapidement de clôturer. Je pense qu'on a carrément vidé toutes les matières prévues sur les droits de l'homme en RDC. Nous retenons que vous avez dit tantôt que vous accordez un crédit à l'équipe de Paul Sapou, qui vient d'être nommé. Oui. Vous avez dit que, justement, il n'y a pas de prisonniers d'opinion en République démocratique du Congo, bien que ce n'est pas une opinion que beaucoup vont devoir partager. Chacun émet son avis. Hein. Tout à fait. C'est justement la liberté d'opinion. Tout à fait. Voilà. D'accord. Mais vous plaidez pour le respect des droits de l'homme, surtout pour les personnes qui sont détenues. Détenues, oui. Vous avez parlé du cas du fort Bisselele, mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul pourquoi, et tous les autres. Pourquoi rester sur lui? Non, au fait, c'est un cas emblématique. C'est un cas emblématique. Ouais, c'est un cas emblématique étant donné qu'il est malade. Si nous sommes informés des autres cas que certains détenus aussi veulent obtenir pas une liberté, parce qu'on ne va pas donner la liberté à tout le monde, mais c'est quelqu'un qui a exprimé, parce que vous savez, il y a un musicien qui dit que quand tu n'as pas encore demandé, il ne faut pas dire qu'on t'a refusé. C'est-à-dire que lui, au moins, il a demandé, accordez-lui la liberté provisoire pour qu'il se fasse soigner, c'est simple. Et vous espérez vraiment qu'il n'y ait pas de main derrière? Non, nous espérons et nous croyons qu'il n'y a pas de main noire derrière et que cette faveur lui sera accordée pour qu'il se fasse soigner. Maître Mopole, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission. On a fait pratiquement 40 minutes. Le temps est passé assez rapidement. Oui. Je pense que vous n'avez pas de mots de la fin, sauf que je comprends votre souci, c'est que le cas de M. Fortuna Bisselele soit entendu, pas seulement lui, mais de tous les prisonniers. Oui, nous plaidons pour que le cas de Bifort Bisselele soit entendu, afin qu'ils puissent bénéficier des soins appropriés. Parce que comme je le disais tout à l'heure, on ne va pas juger un cadavre, on va juger un homme vivant et avec toutes les facultés possibles. Messieurs, dames, merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous avez donc suivi ce plaidoyer de Maître Mopole Mupemba de la cage qui plaide justement pour que M. Fortuna Bisselele, alias Bifort, soit soigné par un médecin spécialisé parce qu'il est en train de souffrir des maux de dos, c'est ça? Ils sont en train de se passer.
exacerbée jusqu'à la main droite. Jusqu'à la main droite, et les médecins craignent qu'il fasse un AVC. Oui. En prison. Oui. Merci beaucoup, Maître Bopol. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous voulez réagir à cette émission, vous voulez aussi passer ici chez nous, le plateau est là. Il est libre de vous recevoir à tout le monde. Pas de soucis, sans faute, sans discrimination. Voilà, portez-vous bien. À la prochaine. Entre les lignes, c'est l'émission du peuple. À très bientôt. Merci beaucoup.